Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct avec Pascal Ducourtiot, musicien, compositeur, arrangeur, tout ce qu'il faut, quoi. Bonjour Pascal. Bonjour Michel. Vous présentez bientôt un ciné-concert au pays de Pierre Loti. Vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors c'est une commande du FAR, du Fonds audiovisuel de recherche, qui m'a demandé si je pouvais faire une musique sur les obsèques de Pierre Loti. Et puis on a agrandi un petit peu le projet en faisant un film en trois volets. Il y a un volet sur le patrimoine et la ville de Rochefort, la Charente-Maritime, avec des vieux films sur les cargos anglais. Après, il y a les obsèques nationales qui sont un peu plus traité de façon un peu plus sentencieuse. Et puis, pour finir, on parle de la maison Pierre Loti avec le personnage un peu singulier qui est Pierre Loti, avec ses extravagances et puis ses moments un petit peu, extraordinaires. Alors, vous jouez, vous avez composé, mais vous jouez en même temps que le film passe en représentation. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle un ciné-concert. Donc la musique a été conçue, j'ai eu des musiciens avec moi pour le faire aussi. J'ai repris des musiques du Quatuor Cadenza, par exemple. Après, j'ai travaillé avec le studio Alhambra. Et puis, je me suis réservé une place pour pouvoir faire une musique en direct et pouvoir jouer sous la forme d'un ciné-concert. Donc c'est un film qui dure 17 minutes et qui est pris là sur plusieurs festivals que je vais donner prochainement. Donc on peut rappeler les dates, parce que c'est bientôt. Oui, alors dimanche 5 novembre à 15h30 au Festival des Regardeurs à Saint-Palais. Après, il y aura les escales documentaires sur La Rochelle au Centre Intermonde à 16h le 8 novembre. Et puis après, il y aura une séance à la salle Giraudeau le 15 novembre à 19h. Ensuite, voilà, je suis très content parce que j'ai eu des partenaires pour monter ce projet. En plus du phare, il y a eu l'agglo de Rochefort et puis la ville de Rochefort. Et la ville a choisi de terminer l'année Pierre Loti en prenant ce ciné-concert au musée Hèbre le 14 décembre. Donc ça, je suis très heureux de pouvoir retrouver la ville de Rochefort pour finaliser tout ce projet où Pierre Loti a passé une partie de sa vie. Eh bien, merci Pascal. Et puis, on vous retrouve bien sûr dans tous vos spectacles. Eh bien, merci Michel. Merci Jean-Michel et à très bientôt. À bientôt sur C17 et toujours en direct.